Dans cette vidéo, on s'intéresse à l'action d'une lame demi-onde sur une polarisation rectiligne incidente. Le montage est donné dans la figure. La première lentille permet d'obtenir un faisceau parallèle. La deuxième lentille donne l'image de la fonte circulaire sur l'écran qui coïncide avec son plan focal image. L'analyseur permet de déterminer la direction de polarisation rectiligne à la sortie de la lame demi-onde. Dans un premier temps, on commence par chercher les lignes neutres en faisant tourner la lame demi-onde autour de l'axe optique du montage. Lorsque les lignes neutres coïncident avec les directions privilégiées du polariseur croisé à l'analyseur, on obtient l'extinction. Dans un second temps, on règle les lignes neutres à 45 degrés par rapport à celles du polariseur croisé à l'analyseur pour obtenir une rotation de polarisation de 90 degrés. On montrera que lorsqu'on utilise deux lames demi-onde ayant des lignes neutres parallèles, on obtient une lame onde sans effet sur la polarisation rectiligne incidente. À la fin, on simule le principe de fonctionnement du polarimètre de Laurent à l'aide d'un analyseur à pénombre et d'un polariseur. On tourne la lame demi-onde dans son plan jusqu'à obtenir l'extinction. Dans ce cas, les lignes neutres coïncident avec les directions privilégiées du polariseur croisé à l'analyseur. L'extinction est obtenue lorsque les directions privilégiées de l'analyseur et du polariseur sont parallèles. Ceci veut dire que la lame demi-onde a tourné la polarisation rectiligne incidente de 90 degrés. L'extinction est obtenue lorsque le polariseur est croisé à l'analyseur. Ceci veut dire que l'association des deux lames demi-ondes est équivalente à une lame onde sans effet sur la polarisation rectiligne incidente. Dans ce qui suit, on s'intéresse à la simulation expérimentale du polarimètre de Laurent. Le montage est donné dans la figure. La première lentille permet d'obtenir un faisceau parallèle. L'analyseur à pénombre est constitué d'un polariseur et d'une lame demi-onde qui occupe, par exemple, la moitié supérieure. La deuxième lentille réalise l'image de l'analyseur à pénombre sur l'écran.
L'analyseur permet de déterminer la direction de polarisation de l'onde transmise par l'analyseur à pénombre. Le filtre vert permet de travailler avec une radiation quasi monochromatique. Dans ce cas, les demi-plages sont à équipénombre. C'est cette situation qui est utilisée pour repérer l'état de polarisation.